On passe le drapeau, on dit bonne chance à tous et on leur souhaite évidemment que le meilleur gagne. Voilà, c'est parti pour 22 tours de circuit. On a des coureurs et nous retrouvons actuellement Axel Marion, le coureur qui possède de nombreux podiums, en terminant plusieurs reprises, deuxième cette année, notamment également, oui. Pas trop devant. Ah mais t'es fou. C'est souvent ça les travaux. Ouais. Ça part des vitrines. Puis là, il prend bientôt les deux places. Ouais, ça arrive pas. Non, non, non. Il n'y a pas une course pareille. Non. Et alors, Max? Allez Dorian, ça passe là! Allez! Allez, passe!
Allez, Antoine, accroche-toi. Allez, tout le monde roule là, tout le monde roule. Putain, tu passes. Et Axel, tu passes. Tranquille les relais, Max, tranquille les relais. Et retrouvons le 3ème et 4ème volet d'instinct. Ouais. 45 secondes, tranquille, tranquille, elle est faite. Elle est faite. Tout le monde passe. Cinquante-cinq secondes. Allez, tout le monde passe là. Tranquille Max, tranquille, une minute, tranquille, tranquille. Avec Thomas Nielsen sur les premières positions. Tranquille, tranquille. Pour l'instant, c'est un peloton qui vient tout au moins les toutes les têtes vient de rejoindre la peloton. Littéralement, ils sont laissés sur place. Ils sont toujours tous à l'avant, les gars. Économise. Après, c'est le groupe Adorian des Caps. On en a parlé également de la troisième flotte. Deux minutes, c'est largement assez. Tranquille, tranquille. Si tu l'as fait, tu l'as fait à bloc. Maximilien en deuxième position.
service de sport, à moins de 7 tours de l'arrivée, Thomas Wilson, Maxime Ménard en deuxième position, nous retrouvons également Kylian Bussier en troisième position. Attends. C'est bien Max, c'est bien. Voilà, nous sommes en deuxième position. Nous retrouvons également Alexandre Delay en troisième position. Voilà les six hommes de tête qui se relèvent régulièrement de façon à éviter le retour du peloton. Je rappelle le nom de dessert numéro 1. Représenté par Axel Mario, le dessert numéro 3, celui de Maxime Ménard. Et nous apercevons maintenant à quelques 3 tours de l'arrivée. 3 tours de l'arrivée, on est parti. C'est 3. C'est que maintenant ou pas? Non, c'est non. Non. Voilà donc pour les personnes qui prennent actuellement la course en route, voilà donc à partir de Axel Mario. La tête en deuxième position, le deuxième donc avec Kylian Bouvier, en tête peloton la présence d'Alexandre Delahaye, facilement reconnaissable avec son maillot totalement rouge, tandis que le maillot lui blanc et rouge, eh bien il s'agit tout simplement de Maxime Ménard qui avait donc pris une excellente deuxième place le week-end dernier sur le circuit difficile de Trédille. Un coureur qui évidemment se dirige sur une victoire qui aura l'occasion de lever les bras dans un petit peu plus d'un quart d'heure maintenant. Nous retrouvons Thomas Moussin qui vient de passer le relais maintenant, Axel Mario. Nous retrouvons également Alexandre qui est en train de placer une nouvelle attaque avec Alexandre Delahaye. Deux tours, Max, deux tours. Alors que malheureusement le dessert numéro 12 est en train de perdre le contact avec le peloton, c'est-à-dire que Dorian Le Gagnard, à celui qui avait terminé deuxième à Saint-Pierre, deuxième à Noël Chatillon, il avait pris également une cinquième place sur le championnat des Côtes d'Armor. Depuis quelques tours maintenant, il semblerait qu'il devient de plus en plus fragile. Et actuellement, j'ai l'impression que Dorian Gaillard, qui est en train de mettre une dose supplémentaire à l'avant, est en train d'en sortir une à l'arrière. Là, il termine bien. Il est en train de redescendre, de reprendre sa première de Serge Morazin. Sur le cas, vous êtes rejoint par les six couleurs de tête. Vous vous laissez décrocher dans le dernier tour, s'il vous plaît. C'est le cas qui devrait arriver dans un court instant maintenant. Je m'adresse à tous ces couleurs. Ah ouais, c'est pas tout de voilà, donc tous ces couleurs, vous êtes actuellement sur le point d'être rejoints par les six couleurs de tête. On vous demandera de vous laisser décrocher. Et vous laissez décrocher au prochain tour, c'est l'arrivée, les gars. Au prochain passage, c'est l'arrivée. Voilà, prochain passage, c'est l'arrivée avec Thomas Moussin qui est passé lui en dernière position avec une nouvelle attaque qui est en train de se produire maintenant. J'ai l'impression que c'est un maillot rouge et blanc. Effectivement, nous retrouvons à la couleur en forme actuellement. Maxime Ménard est en train de se tester, en train de tester ses adversaires contre une attaque par Thomas. Le podium est en train de se dessiner alors que le sprint est lancé maintenant à quelques 150 mètres de la ligne d'arrivée. Thomas Moussin est au milieu du peloton. Maxime Ménard est au coup d'un coup à nous retrouver Axel Mario. Axel Mario qui va se montrer le plus rapide. Axel Mario. 1, 3, 10, 8, 10, 9, 12.
Non, c'est...